Les voilà partis pour cette sixième épreuve, le prix Prince Royal et une course attelée pour 6 ans. 3000 mètres à parcourir, on est mal parti avec le numéro 10, Vezzani Somoli. On est bien parti au contraire avec le numéro 2, Viking de Bray, avec en deuxième position côté corde, le numéro 11, Vatoustide. Alors qu'on est en troisième position plutôt à l'extérieur avec Viana de la Moire. On vient ensuite également à l'extérieur avec Vincent de Jade et côté corde avec la casaque jaune de Valdez. Un peu plus loin, Vagano, accompagné encore de Voyou du Lair. Vidocq du Guesclin est un peu plus loin. Avec également côté corde, Vizir de Crézès, alors qu'on se montre quelque peu fautif avec le numéro 9, Valco de Kerbiguet. Avec toujours Viking de Braqui à l'avantage, quelque peu détaché maintenant de Vatoustide, alors que le numéro 6 vient d'être disqualifié, Vincent Jada. Avec Viking de Braqui a toujours l'avantage, Vatoustide est en deuxième position, Valdez est en troisième position plutôt côté corde, le numéro 3, accompagné encore par Viana de la Moire, Voyou du Lair est à son. Et dans son dos en cinquième position, accompagné par Vagano, un peu plus loin, Vizir de Crézès, en compagnie côté corde de Vidocq du Guesclin. On vient ensuite avec Verigout Touchois, juste devant Vezzani Somoli. On a toujours l'avantage avec Viking de Bray, mais on se rapproche maintenant à l'extérieur avec Viana de la Moire. Alors qu'en troisième position, maintenant côté corde, nous avons le numéro 11, Vatoustide, dans son sillage Valdez. Avec Voyou du Lair, le numéro 1 qui vient maintenant en cinquième position, plutôt à l'extérieur. Un peu plus loin, Vagano, en compagnie de Vizir de Crézès et également Vidocq du Guesclin. Encore un peu plus loin, nous avons Virigout Touchois, en compagnie encore de Vezzani Somoli. Un peloton étiré, très étiré à un tour de l'arrivée avec toujours au commandement Viking de Bray avec Viana de la Moire en troisième position toujours Vatoustide le long de la corde Valdez avec encore l'extérieur et en cinquième position le numéro 1 Voyou du Lair qui emmène dans son sillage Vizir de Crézès alors que le long de la corde nous avons toujours le numéro 5 Vagano avec Vidocq du Guesclin à l'extérieur nous avons Verigout Touchois et toujours encore un peu plus loin le numéro 10 Vezzani Somoli encore un peu plus loin Valco du Kerbiguet. Il leur reste moins de 1200 mètres à parcourir. Des positions de tête qui ne varient guère, à savoir le numéro 2, Viking de Bray. Alors qu'on se montre fautif, quelque peu fautif avec le numéro 8, Viana de la Moire. Dépassé maintenant à l'extérieur par le numéro 1, Voyou du Lair. Vatoustide est toujours le long de la corde. Vizir de Crézès qui vient maintenant quatrième avec quelques ressources. Et également le long de la corde avec le numéro 3, Valdez. Alors que le numéro 8 vient d'être disqualifié, Viana de la Moire. Au poteau des derniers 1000 mètres, toujours le numéro 2, Viking de Bray qui a l'avantage, alors que le numéro 10 vient d'être disqualifié, Vezzani Somoli. Moins de 1000 mètres à parcourir, avec Voyou du Lair maintenant qui met la pression à Viking de Bray, avec en troisième position Vizir de Crézès, mais on fait un bon effort maintenant à l'extérieur avec Verigout Touchois. On est le long de la corde en cinquième position avec Vatoustide. On est toujours en sixième position avec la casaque jaune de Valdez, un peu plus loin Vagano avec encore Vidocq du Guesclin. Il leur reste un peu plus de 500 mètres à parcourir. C'est toujours Viking de Bray qui a l'avantage. Avec en deuxième position maintenant l'extérieur, on vient avec Verigout Touchois. On est en troisième position avec le numéro 11, Vatoustide. Alors qu'on a complètement cédé avec Voyou du Lair, dépassé à l'extérieur par Viking de Vizir de Crézès. Également côté corde par Valdez qui s'annonce maintenant avec... Toujours au commandement, Viking de Bray à 300 mètres de l'arrivée, avec à son extérieur Verigout Touchois en troisième position, Vatoustide, mais on vient complètement à l'extérieur maintenant avec Valdez et encore un peu plus loin avec Vizir de Crézès, avec Viking de Bray qui a toujours l'avantage, qui repart maintenant, avec en deuxième position, nous avons Verigout Touchois, Valdez qui finit de plus en plus vite à l'extérieur et long de la corde, Vatoustide, il reste 30 mètres à parcourir, on va le faire de bout en bout avec le numéro 2, Viking de Bray, à la deuxième place pour Verigout Touchois et la troisième place disputée à l'extérieur avec le numéro 3, Valdez. Et le long de la corde avec le numéro 11, Vatoustide.